le camé. Rien ne me plaît dans ce pays. Rien. Où on va seulement tous mourir, oh, je ne connais pas. Parce que je ne comprends plus mon beau pays là où ça part. Oh, nous nous débrouillons ici, là. Par exemple, moi, je suis veuve depuis plus de 20 ans. On se débrouille pour avoir les enfants à l'école. Les enfants ont les diplômes pour payer l'école, pour que l'enfant ait même la licence ou même le BTS. Tu vas, on te va te dire que l'école, c'est les 600 000, c'est les 700 000. Tu finis de payer, tu payes les formations. Les enfants sont à la maison. Ils ne font rien. Qu'est-ce qui est donc bien dans ce pays que vous me demandez que, qu'est-ce qui peut me plaire dans ce pays? À mon âge, troisième âge, je suis sous le soleil, sous la pluie, et que j'ai les enfants qui peuvent me nourrir. Non seulement ça, on vient encore, on nous détruit. Bientôt, quand vous êtes là, la commune municipale va passer. Nous chasser, on court avec les marchandises, poron, 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 poron. Ils prennent ce qu'ils peuvent prendre, ils partent y jeter. Les tables, ils ont cassé. Tout, ils ont détruit. Qu'est-ce qui peut plaire quelqu'un dans ce pays? Le pays va mal. Le pays va mal. Je réponds à ta question, ma fille. Le pays va mal. C'est vous qui connaissez où? Tout le monde pleure. Les enfants pleurent. Les mamans pleurent. Les pères pleurent. Finalement, il y a quoi de bon? Il n'y a rien de bon. Rien. Pas de travail. Vous voulez même vous débrouiller, on vous chasse. Je ne sais pas là où on veut nous mettre. Toutes les femmes, si on nous a chassées, on est là par tétitesse. Dès que la commune vient, on commence à courir avec les gens sur la tête. Ils vont, ils ramassent même les femmes des gens. On met en cellule. Oh non, ça me fait pleurer le pays ici. Ce n'est pas le pays que moi j'ai grandi dedans. Oui, quand moi je grandissais, au temps d'Aïdjo, le pays ici était bien. Faut pas que je parle ce qui est mauvais. La maîtresse m'a demandé de ne plus venir à l'école parce que je n'ai pas peur de la scolarité. Quitte à mes oreilles, va dire à ton père au salon. Papa, la maîtresse m'a demandé de ne plus venir à l'école.
Parce que je n'ai pas peur de la scolarité. Qui dans mes oreilles avait ça? Je n'ai pas d'argent pour ça. J'ai déjà fait des fois pour acheter des cahiers. Quand on rouge aux parents, ils refusent de payer la scolarité de leurs enfants. Merci. Wow! Bravo! Alamak dia mah. Ye. Oi oi oi. Kau di jam motor. Mau. Oi. Nak komo dah nak apa ya? Kau. Kau di jam motor. Mau. Ekinos TV. Wazamura. Ode wazamura. Kiche. Lime va mettre mais pour que on lui paye. Oh, la cosa. Vire. Vire.